بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى كما جمعنا في هذا البيت من بيوته في الدنيا على ذكره وطاعته، أن يجمعنا دائما في الدنيا على ذلك وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الأنبياء والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله سبحانه وتعالى نجيد القرآن: Pensez-vous que nous vous avons créé en vain, sans but, et que vous ne reviendrez pas vers nous? Dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jal nous dit: l'homme pense-t-il qu'il sera délaissé sans obligation à respecter et sans ordre à appliquer et interdit à délaisser? Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne nous a pas créés pour rien, inutilement. Et Allah Azza wa Jal, il nous montre qu'on ne vit pas dans ce bas monde sans but, sans devoir, sans obligation, sans interdiction. Donc à partir de là, le musulman, il doit connaître la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal l'a créé. Il doit savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La seule raison pour laquelle on vit, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour la même raison qu'Allah azza wa jal a envoyé tous les prophètes. Allah a dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé à chaque contrée, à chaque village, à chaque peuple, un prophète pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Le tarout, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et c'est aussi la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé tous les livres. Allah révèle les livres pour informer les gens qu'ils doivent obéir à Allah et qu'ils doivent l'adorer seul sans associé. Allah a dit dans le Coran: inna anzalna alayka al-kitaba bil-haq, inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq, فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Allah dit dans ce verset: nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité, adore donc Allah seul, en lui vouant le culte exclusif.
عبادة الله أول الأمر في القرآن أول الأوامر. Le premier ordre que tu trouves dans le Coran, c'est l'ordre d'adorer Allah. Surat al-Baqarah. Ya ayyuha an-nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah dit dans ce verset, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui étaient avant vous. Peut-être que vous allez devenir pieux. L'adoration d'Allah, azza wa jal, c'est le droit qu'Allah a sur nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur un âne. Derrière lui, il y avait Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah. Connais-tu le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il a répondu, Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. إذن تبين من هذا أن الله عز وجل خلقنا وأوجدنا لعبادته وحده لا شريك له وأنه الغاية العظمى التي أرسل الله بها ولأجلها الرسل وأنزل لها الكتب. Après tout cela, il devient clair que la raison pour laquelle nous sommes créés, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la même raison pour laquelle Allah a révélé les livres et a fait descendre et a envoyé les prophètes et les messagers. Donc le musulman, il doit apprendre cette chose-là, parce que c'est la base de l'islam. L'islam, il est posé sur ça. Il est posé sur l'adoration d'Allah seul, sans associé. L'islam, mabni ala ibadati Allah wahdahu la sharika lah. Falladhi ya'budu ghayra Allah. Walladhi ya'budu Allah, walakin la ya'buduhu wahda. Ya'budu Allah, wa ya'budu ma'ahu ghayra. Islamuhu la yujad. Ghayru maqbul. À partir de là, celui qui adore autre qu'Allah, ou celui qui adore Allah mais pas seul, c'est-à-dire il adore avec Allah autre qu'Allah, son islam il est nul, il n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Donc le musulman, il doit connaître cette base, il doit comprendre, il doit étudier ce qu'on appelle al-tawhid, le monothéisme, le fait d'adorer Allah seul sans associer, le fait d'unifier Allah et de lui donner son droit et de ne le donner à personne d'autre que lui. Sachez que ce tawhid qui nous est obligatoire de connaître, c'est-à-dire le monothéisme, l'unicité que nous devons tous connaître, elle se divise en trois. C'est-à-dire que nous devons unifier Allah et croire qu'Allah Azza wa Jal est seul et qu'il n'a pas d'associé dans les trois choses suivantes. يجب على المسلم أن يوحد الله عز وجل وأن يفرده في ثلاثة أمور. Dans trois choses. La première, le fait à tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire le fait de croire qu'Allah عز وجل est seul dans ce qui est appelé en arabe al-rububiyya. ما هي الربوبية؟ الربوبية هي أفعال الله الخاصة به. من الذي يخلق؟ هو الله وحده. من الذي يرزق؟ هو الله وحده. من الذي يشفي؟ هو الله وحده. من الذي يعطي؟ هو الله وحده. من الذي يدبر الأمور؟ هو الله وحده. من الذي يستجيب الدعاء؟ هو الله وحده. من الذي يهدي؟ هو الله وحده. من الذي يضل؟ هو الله وحده. من الذي على كل شيء قدير؟ هو الله وحده. كيف يسمى هذا؟ توحيد الربوبية. أن الله وحده في هذه الأفعال. والمسلم يجب عليه أن يعتقد ذلك. La première chose, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans les choses que seul Allah est capable de faire. Qui est celui qui donne la création? C'est Allah. Qui est celui qui donne la subsistance? C'est Allah. Qui est celui qui soigne le malade, qui le guérit? C'est Allah. Qui est celui qui répond à l'invocation? C'est Allah. Qui est celui qui guide et qui égare qui il veut? C'est Allah. Qui est celui qui fait descendre la pluie? C'est Allah. Toutes ces choses-là, le seul à les faire, c'est Allah. Et le musulman doit croire qu'Allah Azza wa Jal est seul dans ces choses-là. S'il a cette croyance,
Cette croyance s'appelle Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la seigneurie. C'est-à-dire que le Seigneur de l'univers, comme salam, n'est que Allah seul sans associé. Al-Amr al-Thani, la deuxième chose dans laquelle le musulman doit croire qu'Allah est seul, Tawhid Allah fil uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Mal murad bil uluhiyya ay al-ibada. أن تعبد الله وحده لا شريك له لأنك تؤمن أن الله هو الذي رزق وخلق ودبر وحده لا شريك له فإذا هو الذي يستحق العبادة. La deuxième chose, c'est le fait de croire qu'Allah est seul à mériter l'adoration. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il est le seul à créer, qu'il est le seul à donner, qu'il est le seul à faire toutes ces choses, donc c'est le seul qui mérite l'adoration. C'est ce qu'on appelle l'unicité dans le culte. La première, c'est l'unicité dans la seigneurie. La deuxième, c'est l'unicité dans le culte. Et la troisième, c'est l'unicité dans les noms et dans les attributs qu'Allah a. Al-Thalith, Tawhid al-Asma wa sifat. An ta'taqida anna Allah azza wa jalla wahdahu la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Kama qala azza wa jalla, fa'budhu wastabir li'ibadatih, hal ta'lamu lahu samiyya. هل واحد له صفات الله عز وجل الجواب لا. Donc la troisième, c'est le fait de croire qu'Allah عز وجل est seul dans ses noms et dans ses attributs et qu'il est parfait dans cela. Allah عز وجل nous dit, lui connais-tu un égal dans ses noms et dans ses attributs? Est-ce qu'Allah a un égal dans les noms et dans les attributs? La réponse est non. Qu'est-ce que ça veut dire croire qu'Allah est seul dans ses noms et dans ses attributs? Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, Al-Malik, Al-Qadir, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Khalaq, Al-Alim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Wadud, Al-Ghafur. Tous ceux-là sont des noms d'Allah qui sont dans le Coran ou dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces noms ont une signification. Quand Allah Azza wa Jal nous dit que parmi ces noms, Al-Karim, Al-Karim c'est un des noms d'Allah. Al-Karim, le sens de ce mot veut dire celui qui est généreux. Qu'est-ce que toi tu dois croire quand tu entends que Allah a le nom Al-Karim? Tu dois croire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a la seule ou la générosité parfaite, qui n'a pas de limite. Al-Karim Al-Mutlaq, Al-Karim Al-Kamil, هو Allah Azza wa Jal. هل مع الله كريم كرمه ككرم الله؟ لا. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est généreux comme Allah, Azza wa Jal? La réponse, non. Donc tous les noms d'Allah, Azza wa Jal, Allah est le seul à être parfait dans ça. Il n'a pas d'égal dans cela. Parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahim, Allah il est miséricordieux, et il a la miséricorde. Et les serviteurs d'Allah sont aussi miséricordieux. Mais est-ce que la miséricorde des gens est égale à la miséricorde d'Allah? Azza wa Jal, la réponse non. Donc tu comprends ce que ça veut dire l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs? Ça veut dire qu'Allah est parfait dans tout ce qu'il fait, il est parfait dans ses attributs. Et aucun n'est égal à lui. Et celui qui croit que autre qu'Allah peut être comme Allah dans la miséricorde, dans la générosité, dans toutes les choses qu'Allah fait, il a fait de l'association. Il a mis un égal à Allah, Azza wa Jal. Quel est le lien entre ces trois types de monothéisme qu'il est obligatoire aux musulmans de croire? Le lien, ma hiya al-alaqa bayn hadhihi al-anwa' al-thalatha. Tawhid al-rububiyya alladhi yu'minu bihi yastalzimu an yu'mina bi tawhid al-uluhiyya. La première, c'est que le monothéisme dans la seigneurie, celui qui croit que seul Allah a créé, seul Allah a donné la subsistance, seul Allah a guéri le malade, seul Allah fait descendre la pluie, etc. Il est obligé de croire que seul Allah a le droit d'être adoré. Et que celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal a fait le pire des péchés, comme on va le voir après. Donc c'est le lien qu'il y a entre Rububiyya et Uluhiyya. Et aussi tu comprends que celui qui croit que seul Allah est le créateur, ou le pourvoyeur, ou celui qui gère tout, ou celui qui donne et qui prend et qui guide et qui guère et qui fait ce qu'il veut, cela ne suffit pas pour être un croyant. Cela ne suffit pas de croire qu'Allah existe, qu'Allah est seul, qu'Allah est le seul à avoir créé pour être un croyant. Et pour être un croyant, il faut l'adorer seul sans associé.
Il faut l'adorer seul, sans associé. La preuve de cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de Quraysh, il nous dit qu'ils savent cela. Allah dit dans le Coran, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وفي آية لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُرَيْش يَعْرِفُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ وَحْدَهُ ومع ذلك سماهم الله مشركين كفارا. إذن ما نفعهم الإيمان بالربوبية إذا لم يكن مع الإيمان بالألوهية. Vous voyez que Quraysh, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous les décrit, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu les interroges, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre? Ils te répondront Allah. Quraysh, ils savent que Allah est le seul à avoir créé toutes ces choses-là, les cieux et la terre. Malgré cela, Allah les décrit comme étant des associateurs et des mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en la deuxième partie du monothéisme, qui est que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est le lien qu'il y a entre le premier type de monothéisme, Tawhid al-Rububiyya, et le deuxième type, Tawhid al-Uluhiyya. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, plusieurs fois, quand il appelle les gens à l'adorer seul, il prend pour preuve qu'il est le seul à avoir créé, le seul à avoir donné. S'il est le seul à avoir créé, le seul à avoir donné, le résultat c'est qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et il est le seul à mériter l'invocation. Subhanahu wa ta'ala. Si cela est compris, alors le contraire du monothéisme, comme le monothéisme c'est la plus grande des bonnes actions chez Allah, c'est la meilleure des actions, que quelqu'un n'adore que Allah seul sans associé, le pire des péchés et la pire des mauvaises choses, c'est le contraire de ça. C'est le fait d'adorer autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le fait de donner le droit d'Allah à un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah nous parle de ce péché qui s'appelle ash-shirku billah. Wal-iyadu billah. L'association. L'association, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ash-shirku billah. An taj'ala lillahi niddan nadhiran mathilan. وهو خلقك هو الذي خلقك وحدك وأنت تجعل له ندا ونظيرا أي تعبد غيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'association consiste à mettre un égal à Allah alors qu'il est celui qui t'a créé. C'est-à-dire, Allah est le seul qui t'a créé et malgré cela, tu adores autre que lui. Quand tu fais cela, tu tombes dans l'association. Et l'association est la pire des injustices. Allah azza wa jalla a dit إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. L'association est une injustice immense. C'est même la pire des injustices. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Celui qui associe Allah, celui qui met un égal à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Et sa demeure sera en enfer. Et les injustes n'auront personne pour les secourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أي يا محمد وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنْتَ النَّبِيُّ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il t'a été révélé à toi, ô prophète, et ceux qui t'ont précédé, que si tu fais de l'association et que tu mets un égal à Allah, toutes tes actions vont être annulées et effacées, et tu feras partie des perdants. Mais adore plutôt Allah seul et ne sois pas, et sois parmi les reconnaissants. Et Allah Azza wa Jal nous dit que les gens arriveront le jour du jugement dernier avec des hasanats plus grandes que les montagnes. Mais comme ils ont fait le shirk, comme ils ont associé Allah, comme ils ont donné un égal à Allah Azza wa Jal, Allah va leur effacer toutes leurs actions. Allah a dit dans le Coran وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah a dit dans ce verset, nous allons voir les œuvres qu'ils ont faites, les associateurs, ils ont fait des bonnes actions, ils ont fait des aumônes, ils ont aidé les pauvres, mais est-ce que cela va leur être utile?
Est-ce qu'Allah va leur accepter? Non, parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah. Et celui qui adore autre qu'Allah, Allah lui efface toutes ses actions. Allah a dit, nous allons voir toutes les œuvres qu'ils ont faites, puis nous allons les transformer en poussière éparpillée. En poussière éparpillée. Et donc l'association d'Allah Azza wa Jal peut avoir lieu dans une des trois sortes de tawhid que nous venons de voir. Le premier, le tawhid dans la seigneurie. Celui qui croit qu'Allah Azza wa Jal que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer. Celui qui croit que autre qu'Allah est capable de guérir. Celui qui croit que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit l'invisible et connaît l'avenir. Celui qui croit que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de guider ou d'égarer ou de pardonner les péchés, il a fait de l'association. Il a mis un égal à Allah. Et il a fait la pire des injustices et le plus grand péché. Dans quoi? Dans la seigneurie. Deuxièmement, celui qui croit que autre qu'Allah a le droit d'être adoré, a le droit d'être invoqué, celui qui demande à autre qu'Allah une chose qu'on a le droit de demander qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, celui-là, il a fait de l'association dans l'adoration, al-uluhiyya. Et troisièmement, celui qui croit que autre qu'Allah est pareil qu'Allah dans les attributs, comme quelqu'un qui croit que autre qu'Allah peut être généreux comme Allah, ou bien autre qu'Allah peut être miséricordieux comme Allah, ou plus, il aura fait de l'association, il aura mis un égal à Allah dans ses noms et dans ses attributs. Voici ce qu'on appelle al-tawhid, et voici ce qu'on appelle al-shirk. Al-shirk, l'association se divise en deux. Al-shirk al-akbar wa al-shirk al-asghar. L'association se divise en deux, l'association majeure et l'association mineure. Qui est celui qui a divisé l'association en deux? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad rahimahullah nous rapporte un hadith selon le compagnon qui est nommé Mahmoud ibn al-Abid radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au compagnon: Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. فسئل عنه فقال الرياء ان تعمل الاعمال لغير الله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith dit: la chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'association mineure. Les sahaba ont dit: mais qu'est-ce que l'association mineure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est l'ostentation. L'ostentation, le fait de faire les choses pour autre qu'Allah, le fait de te montrer, d'aimer te montrer, tu te montres que tu es pieux. Tu montres que tu sais prier correctement. Tu montres et tu aimes qu'on parle de toi. Donc tu ne fais pas les choses pour Allah. Cela est de l'association. Mais c'est de l'association mineure. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que cette association est de l'association mineure, cela veut dire qu'il y a une autre association qui est une association majeure. Al-shirk al-akbar wa al-shirk al-asghar. الفرق بينهما أن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام وأن الشرك الأصغر لا يخرج من الإسلام فالذي يعمل الشرك الأكبر يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يجدد الشهادة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما الذي يعمل الشرك الأصغر لا يجب عليه أن يجدد إسلامه وأن يجدد الشهادة ولكن يجب عليه التوبة. La différence entre les deux, c'est que l'association majeure fait sortir de l'islam. Celui qui fait de l'association majeure, il sort de l'islam. Et celui qui fait de l'association mineure, il ne sort pas de l'islam. Mais il a fait le pire des péchés. Donc celui qui a fait de l'association majeure, il doit re-rentrer dans l'islam. Il doit se reconvertir à l'islam s'il a adoré autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a fait de l'association mineure, il ne doit pas se reconvertir à l'islam puisqu'il n'a pas perdu l'islam. Mais il a perdu la plupart de sa foi. Il doit faire le repentir, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tout cela est clair, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tous les prophètes ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler les gens à l'unicité dans l'adoration. C'est-à-dire tawhid al-uluhiyya. Tous les prophètes ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler les gens au deuxième type de tawhid, tawhid al-uluhiyya.
le fait d'adorer seul Allah sans associé. Et lorsque vous regardez dans Surat Hud et dans Surat Al-A'raf, vous allez voir qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle des prophètes, Hud, Saleh, Shu'aib, Nuh, wa ghayruhum kathir, et tous les autres prophètes, à chaque fois ils disent à leur peuple, Ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghayruh. Daiman, al-anbiya kulluhum qalu dhalika li qawmihim. Tous les prophètes ont dit ça à leur peuple. Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez personne, vous n'avez pas d'autre divinité à part lui. C'est-à-dire, personne ne mérite l'adoration à part Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tous les prophètes ont appelé Allah, ont appelé les gens, pardon, à adorer Allah seul, sans associé. Parce que les gens savent, depuis qu'ils sont nés, les gens savent que le Créateur est Allah. Et ça, c'est une chose naturelle. Mais ça ne suffit pas pour être un croyant. Pour être un croyant, il faut adorer Allah seul, sans associé. C'est pour cela qu'Allah a révélé les livres et envoyé les prophètes. Si cela est clair, alors sachez qu'Allah Azza wa Jal nous a appelés dans le Coran à l'adorer seul, sans associé. Allah subhanahu wa ta'ala, da'ana fil Coran ila ibadatihi wahdahu la sharika lah, wa ila tawhidih, wa ila nufridahu bil ibadah, bi asalib mukhtalifa. En employant plusieurs méthodes et plusieurs façons. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous appelle à l'adorer seul sans associé, il emploie plusieurs façons. Soit il nous informe de la raison pour laquelle il nous a créés. Et il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Lorsqu'Allah nous mentionne ce verset, c'est pour nous appeler à l'adorer seul, sans associé. Soit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a envoyé les prophètes pour appeler les gens à adorer Allah. Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Et nous avons envoyé à chaque peuple un prophète pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala utilise plusieurs manières pour nous appeler à l'adorer. Parmi les manières qu'Allah Azza wa Jal utilise pour nous appeler à l'adorer, il nous donne l'ordre clair. Il nous dit وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et adorez Allah et n'associez rien d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les façons qu'Allah emploie ou utilise pour nous appeler à l'adorer, il nous montre qu'il est le seul à avoir créé, donc il est le seul à être adoré. Parmi les façons qu'Allah Azza wa Jal utilise pour nous appeler à l'adorer, il nous montre que les divinités, qui ont été, tous ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, ne sont capables de rien, ne sont capables ni de tirer profit ni de nuire. Allah Azza wa Jal dit dans plusieurs versets, parmi ceux-ci, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Allah dit aux associateurs, vous allez adorer ce qui n'est capable de créer quoi que ce soit, alors qu'eux-mêmes ils sont créés. أَتَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ تَعْبُدُونَ مَخْلُقَاتِ وَتَتْرُكُونَ الْخَالِقِ. Vous délaissez le Créateur et vous adorez la créature. Et il y a beaucoup de moyens qu'Allah Azza wa Jal a employés pour nous appeler à l'adorer. Et parmi les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé dans le Coran pour nous appeler à l'adorer, darbul amthal. Il nous donne des exemples. Vous voyez beaucoup de versets dans le Coran où Allah dit wa laqad darabna lin-nas fi hadha al-Qur'an min kulli mathal. Et nous avons exposé aux gens dans ce Coran tout exemple, toute parabole. Et c'est le sujet que nous allons traiter plus particulièrement. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelé dans le Coran à l'adorer seul, sans associé, en nous donnant des exemples. Des exemples, c'est-à-dire des comparaisons. Dans plusieurs versets, quand vous lisez le Coran, vous allez voir que dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples et il nous fait des comparaisons entre l'associateur et celui qui adore seul Allah, entre Allah et les divinités,
entre celui qui est invoqué en dehors d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs comparaisons pour nous montrer à chaque fois la même chose à la fin, que le seul qui mérite d'être adoré c'est Allah, et que la pire des injustices c'est l'association. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, l'élève de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nous dit que les associateurs, les kuffars, ont dit: pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples dans le Coran? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une mouche dans le Coran? Pourquoi il nous parle d'une araignée? Si vraiment le Coran était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, alors pourquoi Allah nous parle d'une mouche et d'une araignée? Parce que vous allez voir que dans des versets, Allah nous parle d'une mouche, il nous parle d'une araignée. Et eux, ils ont dit, si c'est vrai, si le Coran était vraiment la parole d'Allah, Allah ne nous aurait pas parlé d'une mouche ou d'une araignée, ça n'a pas de signification, ça n'a pas de valeur. Allah a répondu à leurs paroles en disant: Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah a répondu en leur disant: Allah n'a pas la honte, ou Allah n'a pas honte d'exposer, de donner des exemples, quoi que ce soit, une mouche ou quelque chose d'au-dessus. Puis Allah Azza wa Jal va nous dire la raison pour laquelle il nous donne des exemples. لماذا يضرب الله الأمثال في القرآن? Pourquoi Allah nous fait des comparaisons au Coran? Allah nous dit: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Allah répond que par ses exemples, il égare beaucoup de gens et il guide beaucoup de gens. C'est-à-dire que les gens qui ne croient pas, lorsqu'ils vont lire ces exemples, ils vont dire: cela n'est pas la parole d'Allah. Et cela n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il nous parle de mouches et d'araignées? Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de signification. Mais les croyants, lorsqu'ils vont lire ces exemples et qu'ils vont les comprendre, cela va leur rajouter la foi. Et cela va leur grandir, faire grandir leur conviction. Donc c'est la raison pour laquelle, ou c'est la sagesse des exemples qui sont donnés dans le Coran. Et c'est comme si que quelqu'un avait posé la question: mais pourquoi Allah égare des gens par les exemples? Allah répond: وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Et Allah Azza wa Jal dit que par ces exemples-là, il n'égare que les pervers. Les pervers, dans le sens global du verset, qui désobéissent à Allah Azza wa Jal et qui sèment le trouble sur terre. Donc voici la raison pour laquelle Allah nous met des exemples dans le Coran. Des exemples nous servent à comprendre la chose dont Allah nous parle. Et plusieurs fois, lorsqu'on te parle et que tu ne comprends pas une chose, dès qu'on te donne un exemple, la chose devient très claire. Sahih? Tu ne comprends pas, on te dit مثلاً كذا وكذا تفهم. On te dit une chose, tu ne comprends pas. On te donne un exemple, tu comprends directement. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire comprendre l'importance du tawhid, l'importance du monothéisme et la gravité du shirk, il nous donne des exemples pour qu'on comprenne. Alors on va voir certains exemples qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés pour nous montrer qu'il est le seul à mériter l'adoration, et que la pire des injustices c'est le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-mathal al-awwal, le premier exemple que nous allons voir, il se trouve dans sourate al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Hajj: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, éloignez-vous de l'impureté des statues, de l'adoration des statues, et éloignez-vous des paroles mensongères, et soyez dévoués à Allah seul, sans lui associer. Et celui qui associe Allah, c'est comme si qu'il tombait du haut du ciel, et qu'il se faisait rattraper en plein vol par des oiseaux qui le déchiquetent, qui le déchire et qui le mange, ou qu'il se fait éloigner dans un endroit très loin et très profond par un vent puissant. Qu'est-ce qui a compris cet exemple?
Regardez ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va sortir de cet exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet exemple qu'il nous donne, il a comparé l'association au monothéisme. Il a comparé le tawhid au shirk. Il a comparé celui qui adore autre qu'Allah au fait d'adorer Allah seul, sans associer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala قال شبه من أشرك بالله وعبد غيره برجل تسبب في إهلاك في هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاه فصور بصورة حال من خر من السماء فتخطفه الطير في الهوي فتمزقه أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة. Il nous dit que dans ce verset, Allah nous dit que celui qui adore autre qu'Allah, il est comparable à celui qui a causé là sa propre perte, comme celui qui s'est lancé ou qui a sauté du haut d'un sommet, d'un très haut sommet du ciel. Et pour vous imaginer ça, imaginez-vous un avion. Vous voyez l'avion comme il est haut dans l'air. Imaginez-vous les gens qui tombent de l'avion. Comment ça serait? Imaginez-vous tomber d'un avion. Imaginez-vous qu'il arrive un accident à l'avion, qu'Allah nous préserve, et que les gens tombent de l'avion. Imaginez-vous la chute. Allah Azza wa Jalla nous dit que celui qui adore autre qu'Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel. Si Allah Azza wa Jalla n'avait dit que ça, ça aurait été suffisant. Mais Allah a dit... Et que pendant qu'il est dans le ciel, en train de tomber, en train de mourir, en train de tomber, des oiseaux viennent de tous les côtés pour le manger. Pendant qu'il est en train de tomber. Et le vent le jette dans un endroit très très loin. Et il atterrit en catastrophe. Il s'écrase par terre. Puis après, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, « شبه التوحيد في علوه وشرفه » وساعته بالسماء لأن الإنسان قد لا يدرك التوحيد إذا قلت له ولكن إذا قلت له السماء ينظر يراه السماء فسيفهم. الله عز وجل dans ce verset il a comparé le ciel au tawhid, au monothéisme. Dans quoi? Dans sa grandeur, dans sa hauteur chez Allah et dans sa grande place. Le fait que seul Allah doit être adoré, Allah il a comparé ça au ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est une chose que tu peux voir. Donc, Allah Azza wa Jalla a comparé le tawhid au ciel. Quand tu lèves ta tête et tu vois le ciel comme il est haut, sache que le tawhid, il est encore plus haut que ça. C'est-à-dire, l'adoration d'Allah seul, sans associer, c'est encore plus haut que ça chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et il a comparé, wa shabbaha man taraka at-tawhid, alladhi ashraka billah, biman saqata min as-sama. فترك العلو ونزل إلى أسفل السافلين. Et Allah Azza wa Jal a également comparé celui qui délaisse le monothéisme, le tawhid, donc celui qui adore autre qu'Allah, il l'a comparé à celui qui délaisse le ciel et qui tombe du haut du ciel dans l'endroit le plus bas. C'est de la même manière, celui qui a délaissé l'adoration d'Allah ou qui a adoré autre qu'Allah, c'est comme si il n'a pas voulu rester en hauteur. Il n'a pas voulu rester haut chez Allah. Il est redescendu au plus bas des niveaux, qui est le pire des péchés, l'association d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa shabbaha Allah azza wa jal fi hadhihi al-ayah al-shayatin ou shabbaha al-tuyur allati takhtafuhu fi al-hawi wa tumazziquhu wa ta'kuluhu bil-shayatin allati yursiluha Allah azza wa jal لتزعج المشركين ولتسبب ضلالهم كما قال الله عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين إلى الكافرين تأزهم أزة أي تزعجهم إزعاجا. الله عز وجل a également comparé dans ce verset les oiseaux qui viennent déchiqueter et manger et dévorer cette personne pendant qu'elle est en train de tomber dans l'air. Il les a comparés aux diables qui sont venus tenter la personne pour la faire tomber dans l'association. Ces diables-là sont comme ces oiseaux qui l'ont
déchiqueté et qu'ils l'ont mangé et qu'ils l'ont détruit. ثم شبه الريح التي هوت به في الأماكن البعيدة كالهواء فإن الإنسان إذا اتبع هواه أشرك بالله عز وجل. Puis Allah عز وجل a comparé ce vent qui l'a propulsé, qui l'a éjecté dans un endroit lointain, comme il l'a comparé, pardon, à ses passions. Pourquoi ? Parce que celui qui adore Allah autre qu'Allah, il a suivi ses passions. Et quand il a suivi ses passions, ses passions l'ont éjecté dans un endroit très loin. Avec ce verset, on voit que celui qui n'adore pas Allah ou qui adore autre qu'Allah, il s'est détruit. Il s'est détruit. Dans le deuxième exemple, qui est également dans Surat Al-Hajj, الله عز وجل نجي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله نجي أو vous les hommes, une parabole, une comparaison va vous être présentée, écoutez-la attentivement. الله va vous donner un exemple, écoutez-le attentivement. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Dans ce verset, Allah nous dit, oh vous les hommes, un exemple, une comparaison va vous être proposée, écoutez-la attentivement. Certes, ceux que vous adorez en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne seront pas capables de créer quoi que ce soit, même, pardon, ne serait pas capable de créer ne serait-ce qu'une seule mouche, même s'ils s'assemblaient tous pour le faire. Regardez Allah Azza wa Jalla dans ce verset, il nous dit qu'on doit invoquer qu'Allah, on doit avoir confiance qu'en Allah, on doit aimer plus que tout que Allah, on doit craindre plus que tout que Allah, on doit espérer seul la miséricorde d'Allah, on doit demander l'intercession que à Allah. On doit demander les invocations, les du'as que à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui demande ça autre qu'Allah, eh bien qu'il sache une chose, c'est que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit les prophètes, les anges, les awliya qu'ils appellent ça, ceux comme ils appellent, les gens qui sont dans les tombes, les saints, les pieux, les arbres, les vaches, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est même pas capable de créer une seule mouche. Comment délaisser le Créateur et adorer ce qui n'est pas capable de créer une seule mouche? Comment demander l'intercession? Comment demander la protection à autre qu'Allah? Demander la protection, demander la baraka. Comment demander tout ça à quelqu'un qui n'est pas capable de créer une seule mouche? Puis Allah a dit, et même s'ils s'assemblaient tous ensemble et se réunissaient pour le faire, ils n'y arriveraient pas. C'est-à-dire qu'ils n'arriveraient pas à créer une mouche tous ensemble. Allah Azza wa Jal nous montre que autre qu'Allah est faible et que le seul qui a la puissance et la plus grande force, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Puis Allah nous dit وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ أي إِذَا جَاءَ الذُّبَابُ الذُّبَابُ الْمَعْرُوفُ الصَّغِيرُ الْحَقِيرُ إِذَا جَاءَ الذُّبَابُ ووقع على آلهتهم على المعبودات وأخذ منه أو منها شيئا وانصرف ما استطاعوا أن يسترجعوه وما استطاعوا أن يمسكوه الذباب الصغير. الله عز وجل nous dit dans l'autre verset que il nous dit dans le verset que si les mouches, une mouche viendrait prendre quelque chose sur celui qui adorait en dehors d'Allah, un homme, un ange, une tombe, etc. Une mouche, elle vient, elle se pose, elle prend quelque chose, elle part, il n'arrivera même pas à la rattraper. Comment tu vas adorer quelqu'un qui n'est même pas capable de rattraper une mouche? Puis après Allah, il a dit « ضعف الطالب والمطلوب » Le solliciteur et le sollicité sont faibles, c'est-à-dire celui qui a invoqué autre qu'Allah, il est faible. Et celui qui a été invoqué en dehors d'Allah, il est faible. مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرُ Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah nous dit dans ce verset que celui qui adore autre qu'Allah, il n'a pas respecté Allah. Il n'a pas donné le droit d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui jure par autre qu'Allah, il n'a pas donné le droit à Allah.
Il n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak » Celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Celui qui demande l'intercession à autre qu'Allah, comme celui qui dit « Ishfa' ya Muhammad » Celui qui dit « Ishfa' ya Jibril » Intercède pour moi, ô Jibril. Intercède pour moi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, il n'a pas respecté Allah. Il n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Celui qui va adorer une tombe et qui va yadhab ou yadbah lil qabr, lil wali il fulani. Celui qui va prendre un mouton ou un animal, il va le sacrifier à côté d'une tombe pour avoir la baraka. Celui-là, il n'a pas respecté Allah. Il n'a pas donné le droit d'Allah. Ma qadar Allah haqqa qadri. كيف تذهب إلى قبر وإلى مخلوق لا يستطيع أن يخلق ذبابا وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه كيف تذهب إلى هذا وتترك الإله الحق رب العالمين Comment vas-tu demander à autre qu'Allah, à un faible, à une créature, et après tu laisses Allah le créateur, subhanahu wa ta'ala, ceux qui vont voir les sorciers, ceux qui vont voir les sorciers qui vont faire du sihr, hein, qui vont demander à autre qu'Allah l'avenir, ils vont aller voir les voyants et ils vont leur demander qu'est-ce qui va m'arriver demain et après-demain. Ceux qui vont voir les sorciers pour séparer les gens, pour séparer un couple, pour séparer une famille parce qu'ils sont jaloux. Ceux qui vont voir les sorciers pour lui dire écris-moi un livre, écris-moi une petite chose que je le mette dans ma poche pour que le malheur ne me touche pas. Tous ceux qui font ça, ils n'ont pas respecté Allah. Ils n'ont pas donné le droit d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Alaysa Allahu bikafin 'abdah? Allah ne suffit-il pas ses serviteurs? Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran que Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans le Coran, qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbi Allah 'alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun. Allah dit dans ce verset, dis, c'est-à-dire au prophète, dis à ces gens-là, voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah? Voyez-vous ce que vous allez demander à la baraka en dehors d'Allah? Voyez-vous à ceux à qui vous allez demander à autre qu'Allah, Azza wa Jal, si Allah nous voulait du mal, est-ce qu'ils sont capables de le repousser? Et si Allah nous voulait le faire miséricorde ou me voulait du bien, est-ce qu'ils sont capables de me l'empêcher? Mais dis, Allah me suffit. Et c'est en Allah que ceux qui placent leur confiance placent leur confiance. Donc tout ça nous montre que qui est-ce qui mérite l'adoration? Qui est-ce qui mérite que l'on invoque? Qui est-ce qui mérite la confiance? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset, Allah il nous dit que lorsqu'on va demander à autre qu'Allah, c'est comme si on a été demandé à celui qui n'est même pas capable de créer une mouche, et même pas capable de rattraper une mouche. Après il a dit, ضعف الطالب والمطلوب. Celui qui fait du'a, il est faible, parce qu'il a demandé à autre qu'Allah. Et celui à qui il a demandé, lui aussi il est faible, parce qu'il n'est pas capable de lui demander ce qu'il a demandé. Après il a dit, subhanahu wa ta'ala, ma qadarullaha haqqa qadrih, inna allaha laqawiyun aziz. Et taraktum al-qawiy al-aziz wa aqbaltum ala al-qawiy. Taraktum al-qawiy al-aziz wa aqbaltum ala al-za'if al-faqir. Allah Azza wa Jalla nous dit à la fin de ce verset, certes Allah, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus puissant. Subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez la sagesse des exemples. Avec un exemple, Allah il nous fait comprendre qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et qu'il est le seul à mériter que ton cœur s'accroche à lui. Ton cœur il doit être accroché qu'à Allah, à personne d'autre. Parce que personne n'est capable de te guérir. Personne n'est capable de te sortir de tes problèmes. Personne n'est capable de te donner, sauf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et si tu crois en autre qu'Allah et que tu t'accroches à autre qu'Allah, c'est comme si tu as été voir celui qui n'est même pas capable de créer une seule mouche. Allah Azza wa Jal nous donne un troisième exemple dans Surat Ar-Rum. Qala Azza wa Jal, Daraba lakum mathala min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون. من الذي فهم هذا المثل؟ الله سبحانه وتعالى نجي dans ce verset dans sourate الروم. Allah vous donne un exemple venant de vous,
ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم أنتم حتى تفهموا جيدا. Allah va vous donner une comparaison, un exemple venant de vous. Pourquoi? Parce que quand on te donne un exemple, on te compare à une chose, tu vas comprendre la chose. Allah dit à Quraysh, à ceux qui adorent autre qu'Allah, هل لكم مما ملكت أيمانكم ما ملكت أيمانكم أي عبيدكم العبيد هل لكم من عبيدكم شركاء في أموالكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم أي في أموالكم فأنتم فيه سواء أي الله عز وجل يقول في هذه الآية هل أنت وعبدك على نفس المستوى نفس الشيء أو عبدك تحتك. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset, est-ce que vous avez parmi vos esclaves, parce que ces gens-là, ils avaient des esclaves, et Allah, il leur dit, est-ce que vos esclaves, ils sont égaux à vous, dans l'argent? Non. Ton argent, et l'argent de ton, et ce que ton esclave a, ce n'est pas égal. D'accord? Ces gens-là, ils avaient des esclaves. Ils n'acceptaient pas que leurs esclaves soient égaux à eux, dans le même rang qu'eux. Et les esclaves qu'ils avaient n'avaient pas l'argent que eux ils avaient. Ils n'accepteraient pas ça. Allah il leur dit, est-ce que vos esclaves sont égaux à vous, de sorte à ce que vous soyez pareils et que vous vous craigniez les uns les autres? La réponse est non. La réponse est que ces gens-là ont des esclaves qui sont en dessous d'eux et qui ne sont pas égaux à eux. Donc Allah leur dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas d'accord de mettre vos propres esclaves à votre rang égal à vous et vous acceptez de mettre les esclaves d'Allah égal à Allah, parce que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah sont les esclaves d'Allah, toute la création d'Allah sont les esclaves d'Allah. Ces gens-là, lorsqu'ils adorent autre qu'Allah Azza wa Jal, ils ont adoré les esclaves d'Allah, et Allah leur dit, vous-même vous avez des esclaves et vous n'acceptez pas qu'ils soient égaux à vous, et vous n'acceptez pas de partager ce que vous avez avec eux. Comment acceptez-vous de mettre à Allah des égaux qui sont ses esclaves? Vous avez compris, Inch'Allah? Donc avec cela, Allah il nous montre encore une fois que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne sont que les esclaves d'Allah. Alors comment aller adorer un esclave? Comment aller adorer un esclave? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a un homme meilleur que lui? Est-ce qu'il y a un homme plus béni que lui? Est-ce qu'il y a un homme plus grand que lui chez Allah subhanahu wa ta'ala? Là, il n'y a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La tuturuni kama taratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasoola. Le prophète a dit alayhi salatu wa sallam, ne faites pas d'exagération sur moi, n'exagérez pas à mon sujet, comme l'ont fait les chrétiens avec Isa, le fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur. Pourquoi il nous dit ça, le prophète, alayhi salam? Parce qu'on n'a pas le droit de l'adorer. Ce n'est qu'un serviteur. Et il est venu pour nous appeler à adorer Allah. Il n'est pas venu pour nous appeler à l'adorer. Donc il nous dit, ne faites pas comme les chrétiens, parce que les chrétiens, ils ont adoré Isa. Il nous dit, ne faites pas comme les chrétiens, je ne suis qu'un serviteur. Dites, je suis le serviteur d'Allah et le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit le suivre, mais il ne doit pas l'adorer. Parce que s'il l'adore, le prophète il ne va pas l'aimer. Et le prophète il ne va pas l'accepter. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors si le prophète lui-même alayhi salatu wa sallam, il nous dit, ne faites pas ça, je ne suis qu'un serviteur, qu'est-ce qu'on va dire de tous ceux qui sont en dessous du prophète, des anges, des autres prophètes, de ceux qu'ils appellent l'Ouali, ce qu'ils appellent les pieux, les saints, etc. Donc on est tous les esclaves d'Allah et on doit tous adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Un quatrième exemple qu'Allah azza wa jalla nous donne dans le Coran, il nous dit مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dans la sourate Al-Ankabut, l'araignée, Allah Azza wa Jal nous dit l'exemple de ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, c'est-à-dire ceux qui ont adoré autre qu'Allah, ceux qui ont demandé à autre qu'Allah une chose qu'on a le droit de demander qu'à Allah, donc ceux qui ont fait de l'association, l'exemple de ces gens-là est comparable à une araignée
qui est parti dans sa maison. Et vous connaissez tous la toile de l'araignée, comme elle est faible. Vous savez tous qu'une araignée, elle met du temps à faire sa toile. Et que dès que tu la touches avec ton doigt, ou le vent, ou autre que ça, elle oublie de recommencer tout. Allah Azza wa Jalla nous dit que ceux qui vont adorer autre qu'Allah, ils sont comme cette araignée. Cette araignée, elle va se cacher dans sa toile. Elle va chercher l'abri. Elle va se cacher, la protection. Mais dès qu'une seule chose touche la toile d'araignée, elle est détruite, elle doit tout recommencer. Celui qui adore autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui demande à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, une chose qu'on ne doit demander qu'à Allah, il est comme cette araignée. Il est parti demander à autre qu'Allah, il est parti chercher la protection, la baraka, la bénédiction, chez autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a pas de protection pour lui. Et il n'y a rien. Allah Azza wa Jal nous montre cet exemple pour qu'on comprenne la gravité d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal nous donne un autre exemple. Le cinquième exemple qu'Allah Azza wa Jal nous donne, c'est dans surat Az-Zumar. Les groupes, Allah dit: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, Allah vous donne une comparaison, une parabole, un exemple. رجلا, un homme, فيه شركاء متشاكسون, أي رجل وهو عبد مملوك, يشتغل عند أناس كثيرين فيه شركاء كلهم اشتركوا في ملك هذا الرجل متشاكسون أي مختلفون. ما معنى مختلفون؟ هو عبد مملوك يملكه أناس كثيرون كل واحد منهم يريد شيئا فهذا يأمره بشيء أحضر لي شيئا وهذا يأمره بشيء آخر وهذا يأمره بشيء آخر فتصور هذا المملوك سيتعب يذهب هناك وهناك 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 ليخدمهم جميعا. هذا مثل المشرك الذي يعبد آلهة كثيرة من دون الله لا بد أن يتعب في قلبه سبحانه في قلبه لا بد أن يتعب يدعو الميت يتوكل على الملك ويستغيث بغير الله وينظر لغير الله ويذبح للجن وهكذا. فإذا فعل كل هذه الأعمال تعبا والمشرك تعبان. الله عز وجل nous dit l'exemple d'un homme qui est au service de plusieurs hommes divergents les uns les autres. C'est l'exemple d'un esclave qui est possédé par plusieurs maîtres et chaque maître demande à cet esclave une chose, c'est-à-dire que chacun d'entre eux donne un ordre et lui doit respecter tous ses ordres. Imaginez-vous comment il va se fatiguer. Le premier lui demande d'aller lui chercher telle et telle chose. Le deuxième lui demande de faire telle et telle chose. Et il doit faire, et il doit exécuter et obéir à tous ses maîtres. Imaginez-vous comment il va être fatigué. Allah a comparé cet homme-là à celui qui adore autre qu'Allah. Il a comparé cet homme à celui qui égorge, sacrifie un mouton, un poulet, un animal pour un djinn, pour un diable, à celui qui demande au prophète l'intercession, à celui qui place confiance aux anges, à celui qui va voir les sorciers, à celui qui va voir les voyants. À chaque fois qu'ils font toutes ces choses-là, ils sont obligés de se fatiguer. Leur cœur, il ne sera jamais tranquille dans cette vie-là. Ils n'auront jamais la baraka. Ils seront fatigués et puis ils ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Puis Allah a dit, ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. رجل واحد مملوك لسيد واحد. هل سيتعب؟ مرتاح له سيد واحد. فهذا الذي يعبد الله وحده لا شريك له. مرتاح. قلبه مرتاح مع الله عز وجل. Puis Allah donne un deuxième exemple, l'exemple d'une personne, un servant, qui est au service d'un seul maître. Est-ce que celui-là
et l'autre sont pareils, ne sont pas pareils. Parce que le premier, il est épuisé. Et le deuxième, il n'a qu'un seul maître. S'il a un seul maître, il va être reposé, il va être à l'aise. Et celui-là, il a été comparé à celui qui n'adore que Allah. Parce que celui qui n'adore que Allah, Azza wa Jal, il est à l'aise, il est reposé. Son cœur, il n'est qu'avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis après, Allah a dit, alhamdulillah, ayyani alhamdulillah ala bayan al-haq, wa wudhuh al-haq. Allah a dit, louange à Allah. Pourquoi? Parce que la vérité est claire. Mais la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas. Un autre exemple qu'Allah Azza wa Jal nous donne, Allah nous dit, et à travers cet exemple, Allah va nous montrer la grandeur de la parole La ilaha illallah. Car cette parole est le premier pilier de l'islam. Personne ne peut être musulman sans dire La ilaha illallah, comme tout le monde sait. Parce que cette parole veut dire que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Et que celui qui adore autre qu'Allah, c'est nul et ce n'est pas accepté par Allah. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas d'adorer en toute vérité sauf Allah. Comme a dit Allah Azza wa Jal, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Allah Azza wa Jal nous dit dans surat Ibrahim, أَلَمْ تَرَا كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. الله عز وجل dans ce verset لعلهم يتذكرون. الله عز وجل dans ce verset il nous dit, n'as-tu pas vu comment Allah a donné l'exemple d'une belle parole qui est comparable à un bel arbre? La belle parole, c'est la ilaha illallah. Comme les savants du tafsir ont expliqué, comme Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. La bonne parole ici, le kalimatu tayyiba fi hadhihi al-aya, la ilaha illallah. Allah azza wa jal yushabbih la ilaha illallah bi shajaratin tayyiba. Allah azza wa jal, il va nous montrer l'exemple de la ilaha illallah. Comme un bel arbre, dont les racines sont fermes et stables dans la terre. Imaginez-vous un grand arbre, un bel arbre, pour qu'il tienne, il lui faut des bonnes racines, solides, bien enracinées, plantées dans la terre. La parole La ilaha illallah a été comparée par Allah à un bel arbre avec des grosses racines sur terre, un arbre qui ne tombe pas. Après, il a dit Wa far'uha fis sama. Et toutes ses branches, elles sont bien élevées au ciel. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Cet arbre donne des fruits tout le temps par la grâce d'Allah. وَضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Et Allah donne les exemples aux gens, peut-être qu'ils vont se rappeler. Allah a comparé la ilaha illallah à un arbre. Cet arbre-là, il est bien planté sur terre. Quand un arbre est bien, et qu'il tient bien, et qu'il est propre, et qu'il vit bien, il va donner des bons fruits. L'exemple de ces bons fruits dans le Coran a été comparé aux bonnes actions. Parce que celui qui dit La ilaha illallah, c'est comme si qu'il a planté un arbre dans son cœur. L'arbre du tawhid. L'arbre de l'adoration d'Allah seul, sans associé. Shajaratu al-tawhid. Shajaratu ibadatillah fi qalbihi. La yaqulu La ilaha illallah. Puis après, tu'ti ukulaha kulla hinin. Ayhiya al-a'mal al-saliha. La yaqulu La ilaha illallah. Wa takunu hadhihi al-kalima fi qalbihi. بإخلاص والصدق لله ويفهم معناها ويعمل بمقتضاها سيعمل الأعمال الصالحة دائما تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بإذن ربها. الله عز وجل dit que cet arbre donne des fruits à tout instant par la permission d'Allah. C'est-à-dire que la personne qui dit La ilaha illallah et qui comprend ce que ça veut dire et qui la met en pratique va faire des bonnes actions tout le temps. Comme un bel arbre qui est bien planté va donner tout le temps des bons fruits. Voyez l'exemple qu'Allah a donné avec La ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a parmi les arbres un arbre dont les feuilles ne tombent pas. Il y a un arbre dont les feuilles ne tombent jamais. Cet arbre-là est comparable aux musulmans. Pourquoi il est comparé aux musulmans? Parce que cet arbre, il est béni. Il est béni, ses feuilles, elles ne tombent jamais. Et le musulman aussi, quand il dit la ilaha illallah et quand il adore que Allah, seul sans associé, il est béni. Il fait toujours des bonnes actions. Puis il a dit aux compagnons, à votre avis, quelle est-elle? Les compagnons ont réfléchi. Alors certains ont dit, c'est le sidr, qui est le jujubier, qu'ils disent en français. Certains ont dit, c'est l'arbre des bananes. Certains ont dit. Et Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, à cette époque-là, était un enfant, il était jeune. Et autour de lui, il y avait les grands sahaba, radiyallahu anhum. Il avait la honte de dire, devant ceux qui étaient plus grands que lui, la réponse, mais il connaissait la réponse. Mais comme il était petit, il avait honte de dire devant les plus grands, il n'a pas parlé. Et les sahaba ont donné leur avis, et ils n'ont pas trouvé. Puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hiya nakhla, c'est le palmier, l'arbre qui produit les dattes. L'arbre qui produit les dattes, il est béni par Allah. Azza wa Jal, c'est un arbre qui est grand et qui ramène des fruits, et les feuilles du palmier, elles ne tombent pas. Et Allah Azza wa Jal, il a comparé le palmier au musulman. Pourquoi? Parce que le musulman, quand il dit la ilaha illallah et qu'il comprend ce que ça veut dire et qu'il n'adore que Allah seul sans associer, subhanahu wa ta'ala, il est comme ce palmier. Il est ferme, il est stable, il est bien planté et il donne tout le temps des fruits, des bonnes actions. Le palmier donne tout le temps des dattes, le musulman il donne tout le temps des bonnes actions. Et cela est la comparaison qu'Allah Azza wa Jalla a fait. Puis Allah a dit dans la suite du verset, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَ اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Dans le deuxième exemple, Allah a dit, et l'exemple d'une mauvaise parole, une mauvaise parole comme le shirk billah, le fait de demander à autre qu'Allah, le fait de faire placer sa confiance à autre qu'Allah, c'est comparable à un arbre pourri, un arbre mauvais, qui est déraciné, il est sorti de la terre, il est par terre. Il ne sert plus à rien, il n'est pas stable. Donc ici Allah a dit, celui qui dit la ilaha illallah et qui n'adore qu'Allah seul sans associé, il est comme un grand arbre, béni, stable, ferme, solide. Et il fait tout le temps, il donne tout le temps des fruits, c'est-à-dire il fait tout le temps des bonnes actions. Et celui qui adore autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est comme un arbre qui est déraciné, qui est mort et qui est tombé par terre. Donc Allah, il compare encore une fois l'adoration d'Allah et le shirk billah, subhanahu wa ta'ala. Et le dernier exemple que nous allons voir, après qu'on ait vu des exemples qui nous montrent la gravité d'adorer autre qu'Allah et l'importance d'adorer seul Allah, subhanahu wa ta'ala, quelle va être la rétribution? Qu'est-ce qu'ils vont recevoir les gens qui adorent autre qu'Allah? Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme punition? Allah Azza wa Jalla a dit, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ الْمُشْرِكُونَ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il va nous donner un autre exemple dans lequel il va nous montrer que al-mushrik a'maluhu batila la yaqbaluhu Allah mahma amil madama annahu ya'budu ghayra Allah la yaqbalu Allah minhu shay'a. L'associateur, toutes ses actions sont nulles et ne sont pas acceptées par Allah, quoi qu'il fasse comme action. Même s'il fait des sadaqas toute sa vie, même s'il fait des bonnes actions toute sa vie, s'il adore autre qu'Allah, Allah ne lui accepte rien. Ne lui accepte rien. Allah a dit dans ce verset, qui est dans Surat Ibrahim, l'image de ceux qui ont mécru, qui sont ceux qui ont adoré autre qu'Allah, l'image de ceux qui ont mécru en leur Seigneur, leurs actions sont comparables à de la cendre. Vous voyez, imaginez-vous de la cendre. Un tas de cendre. La cendre qui est le résultat du feu.
du bois qui a brûlé, du carton qui a brûlé, du papier qui a brûlé, quand le feu s'éteint, il ne reste que de la cendre. Et bien Allah nous dit dans ce verset que le jour du jugement dernier, ces gens-là qui ont fait beaucoup d'actions, les bonnes actions, ils ne vont pas profiter de leurs actions, ils vont trouver leurs actions comme de la cendre, c'est-à-dire qu'elle va ne leur servir à rien. Allah a dit l'exemple des mécréants, de ceux qui ont mécréant leur Seigneur, ils auront des actions comparables à de la cendre qui a été éparpillée par un vent puissant. Imaginez-vous un tas de cendres et un vent qui arrive et qui pousse la cendre. Est-ce que tu vas arriver à la rattraper? Tu ne vas pas arriver à la rattraper. Ce n'est pas possible. Allah il dit ça pour nous dire que les gens qui adorent autre qu'Allah vont venir le jour du jugement dernier. Ils n'arriveront pas à profiter de leur action. Ils n'arriveront pas à profiter de leur action parce qu'ils ont adoré autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et comme ils ont adoré autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah va leur annuler leurs actions et va faire que leur action soit comparable à de la cendre. Et il y a un secret. Pourquoi Allah Azza wa Jalla n'a pas dit du sable? Pourquoi Allah Azza wa Jalla n'a pas dit de la poussière? Pourquoi il a dit de la cendre? Pourquoi le sable et la poussière c'est pareil que la cendre? Et pourquoi Allah il a dit précisément Ramad, la cendre? Parce que la cendre c'est le résultat du feu. C'est pour nous montrer que ces gens-là ils vont brûler en enfer avec leurs actions. Ils vont brûler et que leurs actions, plus ils font des actions pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus ces actions-là vont les brûler le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce que la pire des injustices, c'est d'adorer autre qu'Allah. Et c'est pour cela qu'Allah nous donne des exemples dans le Coran. Pour nous faire comprendre que le seul qui mérite l'ibad, l'adoration, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et nous, on voit dans beaucoup de nos pays musulmans, de l'association du matin au soir, de l'association en plein jour, de l'association devant tout le monde, alors que c'est la pire des injustices, alors que c'est le pire des péchés. Si Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man laqi Allah yushriku bihi shay'an dakhala an-nar » celui qui rencontre Allah en association, en associant, en mettant un égal à Allah, va entrer en enfer. Donc les musulmans, il doit appeler sa famille, il doit appeler ses proches, il doit expliquer aux gens, on ne demande qu'à Allah la confiance, on n'a la place qu'en Allah, on aime plus que tout que Allah, on ne va pas voir les sorciers, on ne va pas voir les voyants, on ne va pas demander autre qu'Allah, on n'égorge pas un mouton pour autre qu'Allah. Combien sont les gens lorsqu'ils achètent une maison ou lorsqu'ils achètent une voiture pour avoir la baraka, il prend un mouton ou il prend une vache ou il prend un animal et il le sacrifie au nom du djinn, ou il le sacrifie au lieu de dire le nom d'Allah, il dit le nom d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Après il prend le sang et il touche sa voiture avec le sang. Pourquoi? Il te dit pour qu'il y a la baraka. Ça c'est du shirk. Et je ne vous parle pas d'une chose que je n'ai pas vue, je ne vous parle d'une chose que j'ai vue de mes yeux. Je parle de ce que j'ai vu. Combien sont les gens qui jurent par autre qu'Allah, qui jurent par la tête de son père, par la tête de sa mère, par la tombe de son grand-père? Combien? Ils sont beaucoup. Combien sont les gens qui disent « Ya Muhammad » au lieu de dire « Ya Allah » au lieu de demander Allah, ils demandent au prophète? Combien? Beaucoup. Combien sont les gens qui demandent à Jibril, qui demandent au Malaïka au lieu de demander à Allah? Ils sont beaucoup. Et Allah, dans tous ces exemples qu'il nous donne dans le Coran, il nous montre que tout ça est le pire des péchés et qu'Allah n'acceptera jamais ça et que celui qui adore autre qu'Allah, Allah Azza wa Jal est en colère contre lui. Qui veut qu'Allah soit en colère contre lui? Qui veut qu'Allah Azza wa Jal ne l'accepte pas le jour du jugement dernier? Qui veut voir ses actions le jour du jugement dernier comme de la poussière, comme de la cendre, des actions inutiles, alors qu'il s'est fatigué peut-être à faire le hajj, à faire des bonnes actions, à faire la prière à l'heure, il arrive le jour du jugement dernier devant Allah et tout ça est effacé par Allah Azza wa Jal. Mais sachez une chose, c'est que celui qui fait tawbah, le repentir, Allah accepte. Et Allah efface toutes les fautes, tous les péchés. Walillahi alhamd. Donc celui qui fait une chose comme ça, il demande à Allah pardon, il appelle les gens, il explique aux gens que c'est la plus grande chose. Et c'est pourquoi c'est le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que c'est qu'une parole qui n'a pas de sens?
Si c'était juste une parole qui n'avait pas de sens, ça n'aurait jamais été le premier pilier de l'islam. Plus important que la prière, plus important que le hajj, plus important que le siyam, juste de dire « Ashhadu an la ilaha illallah » parce que derrière cette phrase, il y a un ma'na, il y a un sens que les musulmans doivent apprendre, ils doivent comprendre et enseigner à leurs enfants. Regardez Luqman. Allah Azza wa Jal nous parle de Luqman. Luqman, il a dit à son fils, comme Allah Azza wa Jal, « Wa il qala Luqman l'ibnihi » wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Luqman, c'est un homme pieux qui a éduqué son enfant dans l'islam et dans la crainte d'Allah. La première chose qu'il a dit à son enfant, qu'est-ce qu'il a dit? Ya bunay, oh mon enfant, n'associe pas Allah, parce que l'association est une injustice énorme. Pourquoi il dit ça à son fils? Ça sert à rien de lui dire de faire toutes les bonnes actions si déjà avant il fait de l'association. Il a qu'un shirk billah, salatuhu marduda ghayr maqboula, siyamuhu ghayr maqboul, lidhalika bada'a bishirk, bada'a bitahdhir min ash-shirk. C'est pour ça qu'il a commencé à éduquer son fils en le mettant en garde contre l'association, qui est le pire des péchés. Et le musulman, il doit éduquer son fils sur cela. Il doit lui dire que la ilaha illallah, ça veut dire que le seul qui a le droit d'être adoré, c'est Allah. Et le pire des péchés, c'est l'association. Tous les prophètes ont été envoyés pour adorer Allah et appeler les gens à adorer Allah seul, sans associer. Et nas'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yusliha qulubana wa a'malana wa yusliha al-muslimina wa an yaruddahum ila ibadatillahi wahdahu la sharika lah وأن يجنبنا الشرك بأنواعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بالله من النار, نعوذ بالله من النار, نعوذ بالله من النار. وجزاكم الله خير الجزاء. وسبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.